Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Cette sortie avec les kangourous valeureux te fera beaucoup de bien. Sinon, tu vas encore passer tout le week-end devant la télévision. Et alors? C'est pas ce qu'il va faire, lui? Cédric, ça suffit. Arrête de crier et prépare-toi. Cette imbécile idée d'imbécile sortie, c'était de qui? De Monsieur Olivier, évidemment. Oh, la touche! Nous allons faire de la randonnée et du camping en forêt. Pour développer l'esprit sportif, rien ne vaut la vie au grand air. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà qu'il faut supporter ce gars pendant la gym. Oh, le week-end, non merci. Oh, j'ai d'autres projets. Vos parents recevront la liste de l'équipement. Eh bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. Des questions? Ça commence quand, monsieur? Le week-end prochain. Ça, pour me bousiller mon week-end, ils étaient tous d'accord. Mais pas question de céder, oh ça non. Il faudrait me décoller les fesses du salon. Allons, gamin. Ces sorties n'ont peut-être pas que des mauvais côtés. Bah, t'as qu'à y aller, toi. Non, ce que je veux dire, fiston, c'est que de mon temps, ces sorties n'existaient pas. Et que même si elles avaient existé, eh bien, jamais les filles et les garçons ne seraient partis ensemble. Alors que toi... Hein? Tu as dit quelque chose? Moi? Cédric, on t'attendait. On y va. Ça y est, on y va. Elle vient pas. Quoi? Bah, John ne vient pas. Mademoiselle Nelly a dit qu'elle était enrhumée. Cédric, t'es fou, ils vont continuer sans nous. Qui continue, tu vois ce pied? Eh bien, il te dit qu'il n'est pas capable de faire un mètre de plus. Oh, Cédric, fais pas l'andouille. Mais rejoins-les, Christian. Et si dans 10 ans, on retrouve ici un petit squelette, ce sera le mien. Et tu diras à Chen qu'elle a été mon seul amour, mon unique amour. Ça y est, on les voit plus. Salut les mouflets! Vous faites quoi, monsieur? Du stop! Du stop? Bah oui, je fais signe aux voitures, si une s'arrête, je demande au conducteur de me rapprocher de ma destination. Oh. Et ça marche? Regarde! Salut les mouflets! Cédric, oh non mais t'es fou! Quoi? Ça marche pas, ça marchera. Je te dis que non. Je te dis que si. Où je vous emmène, les enfants? Le camp des kangourous valeureux, vous connaissez? Eh ben, montez. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais bien que c'est archi défendu de monter dans la voiture d'un inconnu. Mais sur le moment, j'y ai pas pensé. Il y en avait ras-le-bol de marcher comme ça. C'est sorti d'éveil, ça me réveillait que les ampoules aux pieds. Yukaidi, Yukaida, Yukaida. Oh, waouh! T'imagines leur tête quand ils verront qu'on est déjà arrivé. Ben ça, c'est fort. Ouais, j'avais mal aux pieds, quoi. Cédric, Christian. Mademoiselle, les enfants n'ayant pas d'argent, je vous ai attendu. En laissant tourner le compteur, évidemment. Tenez, venez voir.
Combien? Cédric, Christian, ici tout de suite. Non, mais vous vous rendez compte? Moi, les exclusions immédiates et définitives, qu'ils rentrent chez eux. Vous avez raison, Olivier. Mais n'oublions pas que ce ne sont que des enfants. On pourrait peut-être leur donner une deuxième chance. Et voilà, on était passé tout près de l'exclusion. Pour une fois que j'étais d'accord avec Monsieur Olivier. Mais Mademoiselle Nelly voulait qu'on reste. On a eu droit au sermon. Les règles de sécurité, rester groupés, jamais suivre à l'inconnu. Et ensuite, elle nous a collés en retenue. Toi et tes idées, hein, je te retiens. 3 mercredis de retenue. Vous verrez que maintenant tout se passera bien. Ouais, Cédric, tu sais où sont les piqueurs? Non. Oh, Cédric, t'as pas vu le gros marteau? Non. Hey, Cédric, tu vas chercher les piqueurs? Non. Alors, t'as bien compris. Où que je sois, je veux pouvoir te voir. Comment ça me plaire, ces sorties d'éveil? Les garçons, on va faire un jeu. Vous comptez jusqu'à 100. Je me cache et le premier qui me trouve a gagné. Venez les filles, on va jouer au charade. 98, 99, 100. Ouais, on y va. Oh, tu viens, Cédric? Non, je me couche. Les serpents, les crapauds baveux, les loups-garous beurquent très peu pour moi. Y a des loups-garous ici? Mais, et le prof? Le prof, il est sûrement déjà bouffé. C'était quoi, ça? Oh, Cédric, arrête! Bonne nuit, les filles. Bonne nuit, mademoiselle Nelly. Tiens, ils sont déjà rentrés? Mais qu'est-ce qu'ils fichent? Non! La nuit, j'avais réfléchi au moyen d'écourter cette sortie débile. Mais bizarrement, c'est arrivé grâce à Monsieur Olivier. On est désolé, monsieur. Mais quand Cédric a parlé du loup-garou, on a eu peur d'aller dans la forêt. Les loups-garous, ça n'existe pas. Vous verrez, ce gosse aura ma peau. Allons, allons, Olivier. Christian, tu n'es pas de corvée, non? Si, monsieur, mais Cédric est allé à ma place. Il a accepté une corvée? Mademoiselle Nelly aurait-elle raison? Pourrait-on arriver à faire quelque chose de ce gamin? Cédric! Cédric! Oui? Oh, Olivier, vous êtes fou, vous baignez dans votre état. Cédric! Et voilà, cette fois, Mademoiselle Nelly a enfin pris son portable pour appeler à la maison. Quoi
Comme visiblement Cédric ne comprend pas l'intérêt de ses sorties en groupe, autant l'en dispenser. D'autant que c'est une question de santé mentale pour Monsieur Olivier. Je ne comprends pas. Hier, après avoir parlé avec papa, il avait l'air content d'y aller. Et tu n'oublies pas tes 3 mercredis de retenue. Quoi? C'était l'horreur. Papa était furieux d'avoir dû venir me chercher et il fallait expliquer le pourquoi du comment des retenues à maman. C'est alors qu'un truc incroyable est arrivé. Jen, je veux y retourner. Quoi? Je veux y retourner. Bah oui, j'étais prêt à marcher jusqu'à décoller la peau de mes pieds, prêt à chanter des chansons complètement débiles, prêt à manger des sandwichs pleins de fourmis. Jen était là. Alors, tu es guérie? Oui, et j'ai demandé à maman de m'emmener passer le reste du week-end avec vous. Ce week-end avait été extra finalement. Tout s'était presque passé comme je l'avais imaginé au début. Tu as froid, Jen? Non, pas du tout, Cédric. Attends, Jen, je vais te porter. Cédric, appuie-toi sur moi si tu veux. Oui, Chen. Ce qu'il y a de bien avec Chen, c'est que ça se passe jamais comme prévu. C'est encore mieux. Et puis, il y aura d'autres sorties avec les kangourous. Et là, ça sera mon tour de l'aider. Tout de même, quelle vie on mène quand on est amoureux.